عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Est-ce que la sœur elle est revenue? Oui, la sœur est là. J'envoie Sister Business, je vous envoie une invitation pour remonter. Et Inch'Allah, ben, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Abdallah, si tu appuies sur ta caméra, ça va. En fait, j'ai trouvé comment on fait. Tu appuies sur ta caméra, comme ça va mettre ton logo. Sur ton écran, normalement, tu as une caméra. Tu appuies dessus, ça va mettre le logo de ton profil. Ben, Inch'Allah, Bon. je vais profiter du fait que la sœur est là et Abdallah aussi, tu es là, pour lire un autre témoignage, Inch'Allah. Comme ça, vous pourrez, Inch'Allah, donner vos ressentis, faire un commentaire. Donc, c'est une sœur qui dit: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'ai vécu des attouchements sexuels et un viol. À l'âge de 6-7 ans, j'étais allé passer quelques jours chez mon oncle paternel. Et à cette même période, il avait son petit frère. Il y avait son petit frère à mon oncle qui devait avoir autour des 17 ans. Un jour, mon oncle et son épouse, et ses enfants étaient sortis et moi, je suis resté à la maison. Il m'avait proposé de sortir avec eux, mais j'ai pas voulu partir, donc j'ai voulu rester. J'étais à la maison pendant que lui était dehors. Je l'ai donc appelé pour qu'il me serve à manger. Dès cet instant, c'est à cet instant que je réalise qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Il y a un gros trou, comme si mon cerveau n'avait rien enregistré. Je n'avais pas compris ni réalisé ce qui s'est passé. Du coup, j'en ai parlé à personne. Quand j'ai pris de l'âge, j'ai compris, mais je n'ai raconté à personne car je me sentais hyper mal et c'est toujours le cas. Un jour, il m'appelle. Non, là, je croyais une coupure. En fait, la sœur, elle a expliqué que. Ah ouais, une coupure. Donc, la sœur, elle a expliqué que quelques années après, en fait, elle est partie. Cet oncle-là, il est parti en Afrique. Apparemment, elle a expliqué qu'il y a eu des attouchements sur d'autres personnes, etc. Il est parti en Afrique. Et ça fait des problèmes avec la famille. Il est parti en Afrique. Quand elle est partie en Afrique, elle l'a revu là-bas. Elle a revu cet oncle là-bas, dans le village. Donc elle dit, un jour, il m'appelle pour que je répare son téléphone. Les réparations 2.0 des papas. Il me dit, tu as quel âge maintenant? Tu es grande maintenant, tu as un âge de te marier. Il commençait à me toucher la poitrine. Alors, il était devenu aveugle. Elle l'a précisé, il était devenu aveugle. Et donc il commence à me toucher la poitrine et en bas, avant et arrière. Encore une fois, je n'ai pas pu réagir. Ce que je cachais en moi a ressurgi. J'ai fait tomber un vase de sa chambre et je me suis enfui. J'ai encore une fois gardé ça pour moi. De toute façon, à qui pouvais-je le dire? À ma mère qui aurait rejeté la faute sur moi ou à un père qui m'aurait taxé de menteuse? Oui, car en fait, malheureusement, il y a une partie que je n'ai pas imprimée, mais la sœur, elle en avait déjà parlé à sa famille. Et sa famille, il l'avait pas cru. Et en gros, il avait dit de garder le silence, de ne rien dire, etc. Donc elle dit, nous sommes en 2021, je ne pouvais plus garder tout cela pour moi. Un jour, j'en parle à mes parents et à un troisième oncle. Et là, je pensais qu'il saurait m'aider, mais non. La douche froide, mon père me dit, pourquoi tu ne dis que maintenant? Ben, en fait, je pensais qu'elle avait dit, mais elle n'avait pas dit, je crois. Après, il lui dit, il fallait crier. Il n'y a aucun témoin qui va te croire. Il n'y a qu'Allah qui sait ce qui s'est vraiment passé. Mon oncle ajoute, ouais, bon, on verra, on va lui parler. Gros mensonge. De là, il y a un froid énorme dans la famille. Plus personne ne se parle. Mes parents m'ignorent. Ma mère me bloque dans la cuisine en me demandant d'avouer que j'ai menti, car ça va faire trop de problèmes si cela est vrai. Où sommes-nous? C'est le monde à l'envers. Encore une fois, la victime devient coupable et l'accusé, c'est lui qui est protégé, Wallahu al-Musta'an. Alhamdoulilah, aujourd'hui je vais beaucoup mieux. Je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais
Mes akhawati, mes sœurs, accrochez-vous au Coran et à la Sunna. Accrochez-vous réellement. Une partie de nos peines se dissipe dans la lecture du noble livre, le Coran. Si vous n'arrivez pas à vous confier à une créature, ce n'est pas grave. Invoquez, écrivez. Il y a un créateur qui entend et voit tout. Tout cela ne restera pas impuni. Personne ne doit vous en vouloir d'avoir gardé le silence. Les parents devraient se poser certaines questions et se ressaisir un peu si leur fille n'arrive pas à leur en parler. Il y a très souvent un problème de confiance et d'empathie, je le répète. Personne n'a à vous en vouloir. Vous n'êtes que des victimes. Personne sans principe. Personne ne vous en voudra si vous passez vos journées et nuits à pleurer. Personne ne doit vous en vouloir si vous vous isolez. Ne négligez surtout pas vos émotions. Ne cherchez pas à refouler vos traumatismes, car ils ressortiront un jour et ce sera terrible. Je l'ai vécu, je le vivais, je le vivrai toujours. Je le vivais toujours il y a quelques mois. Vous n'êtes pas seul. Allah est notre meilleur garant. Ne cherchez pas refuge auprès des créatures, mais auprès du Créateur. Vous êtes des femmes fortes. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous préserve toutes, qu'Allah humilie et enlaidisse et punisse ces personnes-là. Toute personne ayant participé à ces actes ou ayant voulu les dissimuler, prenez soin de vous, écoutez votre cœur, écoutez votre corps, reposez-vous, videz-vous la tête. Encore une fois, n'oubliez pas le Coran. Ne laissez jamais au grand jamais. Je ne peux que donner des conseils en accord avec l'islam. Mondainement parlant, je ne sais quoi dire. Si vous avez besoin de parler, mes sœurs, mes DM sont grand ouverts. Donc voilà le témoignage de la sœur. Wallahu al-musta'an. C'est terrible, hein. C'est terrible parce que la sœur, elle a été abusée physiquement, mais le problème c'est que moi, ce qui m'agace dans ce genre d'affaires, on a l'impression qu'elle a été. Quand on entend les gens, on dit, enfin, elle vient se confier à sa famille et t'as l'impression que pour eux, c'est juste qu'elle a été abusée physiquement. Ou ils en doutent. Et la réputation a plus d'importance. Mais une femme qui a subi ça, elle a été. Une femme ou un homme, je répète, hein, parce que moi, j'ai fait ça pour m'en témoigner par rapport à ça aussi. Et une personne qui a été victime par rapport à ça, c'est elle a abusé physiquement comme psychologiquement. Donc le fait qu'elle ait été abusée psychologiquement, les réactions qu'elle pourrait avoir à savoir le silence ne sont que les conséquences du trouble et le traumatisme qu'elle a subi. Et là maintenant on va pointer du droit les conséquences de son mal-être. Mais c'est terrible de penser comme ça. C'est aberrant, c'est terrible. C'est un obstacle. Qu'Allah nous en aide vraiment. Moi, je ne sais pas quoi dire. Je suis abasourdi, en fait, d'entendre ces choses-là. Surtout les réactions des proches qui ne nous protègent pas. Tu vois, souvent, on dit que les familles en Afrique, au Maghreb, on est censé être soudés, etc. Mais en vérité, on se rend compte que les mères, malheureusement, elles ne protègent pas leurs filles. Elles vont parfois, en fait, l'obéissance au mari, parfois, le fait de protéger son mari, son couple, ça passe même avant le fait de protéger ses enfants. Parfois, les mères, elles vont avoir peur de se retrouver seules et elles préfèrent laisser souffrir leurs enfants que de se retrouver seules. Ça, c'est, parfois, c'est des choses qui sont. Non, mais de toute façon, moi, je pense que dans ce genre de choses, il faut être clair. Moi, il y a des choses comme ça où que moi, je suis direct. Tu vois, je mets pas de gants dans ce genre de choses. Le fait que ta fille ou ton fils ou quoi, un de tes enfants a subi cette chose-là et que toi tu mets en avant la réputation ou tu mets en avant le fait que oh, ça va être trop compliqué, ça va faire des problèmes, bah, au fait, tout le Coran il a mis en garde contre ça. Je sais même pas par quoi commencer, au fait. Qu'on voit le peuple de Had, au fait, tout le Coran il te montre que quelqu'un qui, quand tu vois le mal devant toi et que toi, tu ne fais pas partie des gens qui stoppent ce mal ou qui interdisent ce mal, Allah, le châtiment, tu le prends avec les agresseurs. En fait, je ne sais même pas par quoi commencer parce que ça recouvre dans le Coran. Je ne sais même pas par quoi commencer. Donc finalement, la personne qui, elle, en tant que mère ou en tant que père, elle sait que son enfant subit, elle sait, elle a des doutes et qu'elle reste comme ça, son silence, c'est acquiescé.
et devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle aura des comptes à rendre. Ah ouais. Ça, c'est clair. Allah a dit dans le Coran, « Lu'ina allazina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam, zalika bima kanu yasna'un juqa wa ya'melun kanu la yatanahouna an munkarin fa'alu. » Ceux qui ont mécru, ils ont été maudits par la bouche de Daoud et de Issa, le fils de Marie, à cause de ceux qui transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient entre eux. C'est-à-dire que quand ton conjoint il fait le mal et que tu ne lui interdis pas, tu essaies de le protéger, etc. Bon, peut-être que je me suis trompé sur le verset, voilà, Moustahan, mais c'est grave, ce prénom-là. C'est grave. Non, mais c'est pire que grave, c'est honteux. Au fait, le problème, c'est que finalement, l'essence même de l'islam, on n'a pas compris. L'essence même de l'islam, on n'a pas compris. Et ça, c'est la honte. Que, au fait, tu t'intéresses au paraître avant de donner le droit et de faire preuve de justice. C'est-à-dire que tu refuses et tu refuses d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec l'un de ses attributs, à savoir la justice. Il faut craindre notre Seigneur, c'est incroyable. Et le pire, tu fais ça avec ton propre enfant. Moi, ce qui m'étonne, quand on connaît le hadith du prophète, quand on te dit qu'un centième de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la mère envers son enfant, et on entend des choses effarantes comme ça, mais ça, c'est un problème de foi. Moi, je ne vais pas plus loin que ça. C'est un problème de foi. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Monsieur Allah, salam à toi, la réfère. Inch'Allah, ma soeur, la soeur a parlé tout à l'heure, mais là, on va la laisser finir avant de prendre une autre personne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est vrai que ça revient, le témoignage de la soeur revient à ce que je disais, c'est un silence total de la part de tout le monde, et quand bien même, souvent, des fois... les mères ont essayé de protéger leurs enfants, on en a parlé à la communauté, on leur a tourné le dos. Une femme toute seule ou même 10 femmes, ça ne fait pas le poids face ne serait-ce qu'à un seul homme ou à 2 hommes. Elles sont plus pointées du doigt qu'autre chose. On les accuse. Donc du coup, souvent, on dit oui, peut-être la mère a été complice, etc. Il y a des moments qui n'ont pas été complices, ils ont essayé, et qui, jusqu'à maintenant, essaient de se battre. Et au final, elles sont encore plus pointées du doigt et elles sont bien mises de côté. Et c'est la mère qui est coupable, c'est l'enfant qui est coupable, l'enfant après qui est encore coupable que la mère. C'est un cercle vicieux et finalement, les victimes sont doublement malades. Et j'ai envie de dire, heureusement que ces victimes-là, ce sont des gens pratiquants, donc ils ont... Alhamdoulilah, ils croient en Allah Azza wa Jal, ils croient que c'est des épreuves, ils acceptent, ils essayent d'avancer. Mais quand on voit autour de nous des personnes qui sont dans la salafia et qui continuent à accabler ces gens-là, c'est très dur d'avancer. Alhamdoulilah, les gens, ils avancent, mais c'est très dur parce que même quand on veut se plaindre ou quand on demande de l'aide, c'est tout de suite, on renvoie la victime. Oui, mais pourquoi tu n'as pas fait ça avant ? Pourquoi tu n'as pas parlé avant? Même si elle aurait parlé avant, ça aurait changé quelque chose. Je pense que les gens, en fait, on comprend pas qu'il y a des conséquences qui sont post-traumatiques. Parfois, quand quelqu'un c'est ça. Quand quelqu'un il ne parle pas, c'est une conséquence post-traumatique à cause de ce qu'il a vécu. Le fait de ne pas parler, quand tu restes figé, quand la soeur elle a dit oh, je suis resté figé, j'ai pas bougé, tu sais, vous voyez des fois quand vous êtes sur la route là et qu'il y a une voiture qui arrive, on sait normalement qu'on doit courir, mais on court pas. Non, vous êtes bouche bée, vous êtes tétanisé. Non, voilà. Surtout que n'oublions pas qu'on parle d'enfant. Oui, puis un enfant, il faut pas oublier que le... Un enfant, c'est faible, ça parle pas. Même des femmes adultes, quand elles subissent ça, elles te disent... Des fois, tu as des femmes, elles disent, oui, il m'a mis la main en fesse, mais je suis resté comme ça, tu vois. J'ai rien pu faire, tu comprends pas. Parce que ces personnes-là, elles sont aussi très manipulateurs, très intelligents. Et en général, ils ont un peu de pouvoir dans la société. Donc, ils ont soit la place du père, soit la place d'un imam, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est des gens qui sont actifs et que leur parole ne sera jamais remise en doute, finalement.
Donc, du coup, cette manipulation, même si la personne voudrait s'exprimer, te dire, ah, mais de toute façon, c'est vrai, il a raison, on va pas me croire, en fait. Donc, la petite poignée qui les croit et qui va dire, bah, je vais t'accompagner, on va essayer de faire quelque chose, je peux vous dire qu'on se fait remballer, on est bloqué, quoi. Nos numéros sont bloqués. On demande de l'aide à des gens parce qu'ils les connaissent. On dit, voilà, la personne, elle ne ment pas. Regarde, il y a ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas, vous êtes des bonhommes. Prenez-en 5, vous le prenez, vous le mettez quelque part dans une forêt. Je ne sais pas, faites quelque chose. Ah, mais moi, je ne peux pas. Tu as vu, j'ai une famille. Ok, bah, si ça t'arrive à ta famille, comment on fait? C'est exactement ça. C'est que les gens, malheureusement, ils ne comprennent que quand ça leur arrive à eux. Beaucoup de personnes sont comme ça. Moi, je pars du principe, quand c'est la fille, enfin, c'est ta sœur filaire de base, donc ça peut être ta fille. Comment tu ne peux même pas avoir cette jalousie de ta sœur filaire? C'est-à-dire que ça ne te pose aucun problème. Parce que ça ne te concerne pas, il n'y a pas de lien de sang. Donc, le lien en Allah, il est... Enfin, je sais pas. Moi, il y a des choses que je n'arrive pas trop à comprendre. Il y a un égoïsme qui est vraiment égocentrique. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais moi, pour moi, c'est la fille d'une sœur, même si elle est éloignée, c'est pas de la même origine, on s'en fiche, on est sœurs filaires. Il lui arrive quelque chose, bismillah, si je peux aider, je vais aider avec mes capacités. Des fois, même bien plus. On se dit, on va voir des hommes parce qu'ils ont un peu plus de poigne. Mm-hmm. Bah, ça se défile, mais ça se défile facile. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment choquant. Oh non, là, qu'elle a vraiment, qu'elle a une petite. Il y a une sœur qui vient de rentrer. Je sais pas, c'est. Salam alaikum. Oui, salam. C'est la sœur qui t'a envoyé le témoignage sur Telegram. En fait, il y a une partie. Je crois que tu as mélangé avec une autre histoire. Le début, c'est que. D'accord. Peut-être, ouais, parce que les témoignages, je les ai imprimés, et le gars, je sais pas comment il me les a imprimés, mais j'ai vu que j'ai reçu des messages, mais on va voir les messages, mais peut-être que j'ai dit, nous, on dit, reste aussi, si elle se arrive. Il n'y a pas de souci. Du coup, savoir que je suis née en 2000, comme ça facilite les années, parce que je préfère parler en années que de dire l'âge. En 2004 ou en 2005, j'allais au foyer, en fait, avec mon père tous les week-ends. On y allait, moi j'aimais bien parce que on m'achetait des bonbons, ceci, cela. Et c'est juste pour détailler et pour montrer en fait l'enthousiasme que j'avais quand j'étais là-bas. Et c'est avec cet enthousiasme-là que l'oncle en a profité. Comme je disais, j'allais tous les week-ends là-bas avec mon père, ça se passait plutôt bien. Enfin, on me donnait de l'argent, blablabla, du coup j'y allais encore plus. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure, il y avait un oncle qui venait chez moi aussi beaucoup de temps en temps. J'ai pas le souvenir qu'il ait déjà dormi chez moi, mais je sais qu'il venait beaucoup chez moi. Et petit à petit, ça a commencé par « Est-ce que tu veux que je te donne tel bonbon ? Est-ce que tu veux que je t'achète telle chose ? Assieds-toi sur moi, fais-moi un bisou là, touche-moi ici. » Mais ça, par exemple, tous ces détails, je te l'ai pas déjà à l'écrit parce que je m'en suis souvenu que maintenant. C'est des choses que j'avais complètement oubliées et des détails qui reviennent 15, 16 ans après, qui me disaient ça. Je sais plus comment je réagissais, mais le seul détail qui m'a frappé, c'est qu'un soir d'hiver, comme j'avais écrit, après sa prière, je me souviens très bien, je mangeais un chewing-gum normalement. Il m'a appelé, en fait, j'avais une jupe culotte jaune et un t-shirt blanc. Et il m'a attrapé, en fait, il m'a tenu et il a commencé à me toucher en me disant, il a voulu mettre la main dans la jupe, mais en dessous, il y avait le short, en fait. Vu que c'était les jupes culottes de l'époque, là, ça l'a un peu bloqué. Du coup, je me souviens qu'il m'avait dit, la prochaine fois, ne mets pas de culottes quand tu viens. Et il m'avait aussi dit, la prochaine fois que tu viens, mets un pagne, les wax, là. Il m'a dit, mets un pagne. Mm-hmm. Et ça, je me rappelle très bien, j'avais que dit ce détail à ma mère. J'avais pas dit à ma mère qu'il m'avait dit de ne rien mettre en dessous. Je sais pas pourquoi, ça m'avait pas frappé l'esprit. Enfin, je sais plus du tout. Je lui avais expliqué, du coup, en rentrant, totalement normalement, puisque c'était un samedi. Mm-hmm. Et le lendemain, je devais y retourner. J'ai dit, ah oui, tonton X, il a dit que je devais mettre un pagne, que c'était mieux. Et en fait, de là, je suis sûre qu'elle a compris. Parce qu'elle m'a dit, en fait, elle s'est énervée et elle en a parlé à mon père, qui lui a dit que non, bah regarde son âge, elle est toute petite.
elle est toute petite, peut-être qu'elle ment, peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Dans tous les cas, encore une fois, il n'y a pas de témoin. Enfin, j'ai 3-4 ans, je ne vois pas comment je vois pas quelle preuve en fait, je peux te fournir. Moi, je te rapporte juste ce qu'on m'a dit. Je ne peux pas faire grand-chose. Et de là, sa solution, ça a été que moi, je ne restais pas à la maison. J'allais chez des tantes, en fait, à droite, à gauche, pendant que lui retournait au foyer sans moi. Et l'oncle venait de moins en moins chez moi. Après ça, on a déménagé, du coup, j'ai grandi, etc. Cette histoire-là, ça montrait déjà en fait, que je ne pouvais pas trop compter sur mon père. Et après, comme je t'avais dit, j'avais une autre histoire, mais ce n'était pas en lien avec un membre de la famille, mais c'était juste une fois dans le bus, dans le collège. Enfin, voilà quoi, j'avais vécu un homme, c'était très calme. Et j'en avais parlé à ma mère, et elle m'a dit que c'était à cause de ma tenue, que regarde comment t'es habillée, c'est normal qu'il t'ait fait ça. Enfin, ma tenue, à mon goût, elle était pas choquante, et même si elle était choquante, ça justifiait en rien. Je sors du collège en 6e ou en 5e, entre 11 et 13 ans, je vois pas comment on peut dire que c'est de la faute de la fille, quoi. Je rentrais seulement des cours et rien de plus. Du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis aussi dit, bon, bah, en fait, c'est mieux que les prochaines fois qu'il m'arrive quelque chose, ça sert à rien que j'en parle, parce que si j'en parle au parent numéro 1, il va me dire, mais il n'y a pas de preuve. Le parent numéro 2 va me dire, c'est peut-être à cause de ta tenue. Peut-être que tu as aimé ça. Enfin, finalement, tu sais plus sur qui compter. Et c'est des âges où tu n'as pas vraiment la foi, en fait. Tu n'as pas vraiment la religion. Et voilà, quoi. Tu es un peu dans les choses de la dunia. Du coup, tu ne penses pas à te tourner vers Allah directement. Il y a plein de choses qui se mélangent dans ta tête. Je ne sais même pas si ce que je vais dire, c'est compréhensible. Mais tout se mélange dans ta tête. Tu te dis, mais au final, telle personne, elle te fait ça. Telle personne, elle la défend. Telle personne, elle dit que c'est ta faute. Peut-être qu'au final, c'est vraiment ta faute à toi. Et tu te dis que non, mais en fait, tranquille, c'est toi, en fait, t'aurais dû t'habiller mieux. C'est toi, t'aurais dû. C'est ça, en fait. Comme t'as pas réagi, bah, ça, c'est de ta faute. Et même si t'as réagi, c'est de ta faute. Parce que si ça t'est arrivé, c'est que t'as provoqué quelque chose. Et ça, c'est toujours comme ça, j'ai l'impression. Toujours, quel que soit le sujet, que ce soit dans la famille ou même dehors, on va toujours C'est Abdallah. Il y a un bruit de fond. Ouais, oui. C'est Abdallah. En fait, Abdallah, ça fait un retour sur ton. Ok, vas-y, je coupe. Vas-y, ouais. Je te reprends, Inch'Allah. Ouais, tu peux continuer. Ouais. Je sais plus trop ce que je disais. Ah oui. Ouais, en gros, tu te considères comme coupable de ce qui t'est arrivé. Exactement. Du coup, au final, tout change. Tu t'isoles de tout le monde. Il y a tout qui devient flou. Tu ne sais plus quoi faire toi-même parce que tu sais plus quelle personne t'es. Ton identité, elle devient complètement bafouée, vraiment bafouée parce que. Voilà quoi, c'est un mélange. Et c'est vraiment très dur pour les personnes. Et ça, il faut que les familles l'entendent, que les grandes sœurs et les grands frères l'entendent. C'est pas parce que la personne ne dit rien qu'elle est consentante. Il n'y a pas de consentement. Oui, pardon, il n'y a pas de consentement dedans. Même si la personne, elle en parle alors qu'elle est sur le point d'agoniser, on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut vraiment pas lui en vouloir parce que des choses comme ça, j'en ai vu en fait. J'ai vu mes propres parents quand une petite cousine a vécu ça, alors qu'elle a 12 ans, non, 2 ans, pardon, tu vois, quand elle avait 2 ans, subhanallah, il y a son cousin avec qui elle vivait, qui a 5 ans, qui est allé plus loin qu'un attouchement, qui est allé vraiment, vraiment plus loin que ça, sachant que à 2 ans, et entendre des parents dire à la mère, oui, mais c'est de ta faute. Tu n'aurais pas dû laisser ta fille dormir dans la chambre de X. Maintenant, regarde ce que tu as fait. Comment on va s'en sortir? Enfin, là, je me dis qu'il y a vraiment un problème psychiatrique parce qu'on ne peut pas jeter la faute à chaque fois sur les gens et dédouaner les gens. Quand je suis repartie au Mali, quand il m'a fait la même chose, avant qu'il me le fasse, je ne suis pas sûre de l'avoir écrit. Mais il y a un oncle, en fait, qui avait dit à ma mère, attention, parce que c'est bizarre, parce que tel oncle, du coup, celui qui m'avait fait... ça en 2004, c'est trop bizarre. Pourquoi il appelle toujours ta fille? Moi, je te conseille juste de faire attention. Il n'est pas rentré dans les détails. Et ma mère me l'avait dit après. En fait, mais quand elle me l'a dit, c'était trop tard. Il avait déjà fait ce qu'il avait à faire. Et j'ai pas pu lui dire, mais je me suis juste dit dans ma tête, ah, mais c'est bon, en fait, je sais que ça se sait et que si moi, j'en parle pas, peut-être que ça va sortir un jour. Et même, en fait, on était... Enfin, je sais pas si vous voyez les maisons... dans les villages, dans les étages, il y a plusieurs familles
dans des chambres différentes. Les cours communes. Oui, c'est ça. Et nous, on était au premier étage. Et c'est pour ça que je disais aveugle entre guillemets, parce qu'il était assez aveugle pour pas travailler, mais pas très aveugle en fait, pour distinguer le corps des gens. Et, d'accord. Et, voilà quoi. Aveugle à mi-temps, on va dire. Et je me souviens, il est grand-père en fait. Il a une petite fille, et sa petite fille, elle doit avoir 3 ans. Je me souviens, au village, en fait, ça, je l'ai vu tous les jours. Elle rentrait tout le temps habillée et elle ressortait nue. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé normal directement. Et on m'a dit, mais non, t'inquiète pas, c'est normal ici, il fait chaud. Mais non, en fait, c'est pas normal. Elle n'a pas à sortir nue alors qu'elle est rentrée habillée. Surtout que nous, on sait comment il est, cet oncle-là. Mais encore une fois, on m'a dit, mais non, c'est toi, c'est l'Europe qui te rend comme ça. C'est pas habituel chez vous, c'est pour ça. Mais je sais ce que j'ai vu et je sais que je ne suis pas folle. Enfin, en tout cas, je suis sûre de ce que j'ai vu. Et en fait, ce qui me fait mal, c'est même pas pour ma propre personne, parce que moi, c'est bon, enfin, c'est passé, je sais que je ne vais plus le voir. Ce qui me fait peur, c'est juste, dans ce village-là, il y a toutes mes cousines. On est plein de cousines dans cet étage-là, et je sais qu'il rôde, en fait. Il rôde, et je l'ai vu rôder avec sa petite lampe torche en train de regarder la nuit si les filles adorent. Si elles adorent pas, il les appelle en secret, il lui dit, viens. Et ça, le problème, c'est que je ne peux pas en parler. Et c'est ça le problème. Parce que quand j'en ai parlé à mes parents avec mon oncle il y a quelques mois, au mois de juin, ils n'ont rien fait. Ils m'ont dit, on va s'en occuper. Ils s'en sont pas occupés. J'aurais dit, regardez, il y a tel oncle en plus qui avait dit à ma mère qu'il fallait faire attention. Cet oncle-là, il a dit qu'il n'a jamais dit ça, alors que je sais qu'il l'a dit. Et je sais qu'il le sait, parce que voilà quoi. Mais au final, si à chaque fois on te fait passer pour une menteuse, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien dire. En fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Oui. Voilà. Je peux te poser une question, Orti ? Oui, bien sûr. Ouais, excuse-moi. Est-ce que tu as essayé de consulter aussi ? Est-ce que tu en as parlé à d'autres personnes, à des amis ou à des choses pour toi aussi essayer de te guérir ? Parce que malgré tout, on entend déjà dans ta voix que tu es toujours atteinte et que tu n'es pas bien. Est-ce que tu as essayé ? Si ça n'a pas fonctionné avec ta famille, est-ce que tu en as parlé à des amis, à des personnes qui sont proches de toi ? J'en avais parlé avec une cousine. Chez qui, enfin, je faisais souvent des vacances et qui dormait chez moi. Et quand je lui en ai parlé, en fait, à vrai dire, je m'attendais pas à grand chose et j'étais certaine qu'elle aussi, elle avait peut-être vécu ça, mais sur le coup, j'y ai pas pensé. Et elle m'a dit, en fait, tu vois, un tel qui dort à la maison, tous les soirs, il me fait la même chose. Et à chaque fois que j'en parlais avec mes copines, c'était ça. Moi aussi, j'ai vécu ça. Du coup, au final, nous, on attend peut-être un conseil de cette personne-là, mais indirectement, elle en attend aussi, parce qu'elle aussi, elle l'a vécu, et on se sent juste impuissant, parce qu'à part pleurer en face de la personne en disant « je ne sais pas quoi te dire, je sais juste ce que tu ressens, mais je ne peux rien te dire de plus », on ne sait pas trop quoi faire. Et ma mère avait voulu m'emmener chez une psychologue, parce qu'une fois, j'avais voulu entériner. Et elle m'a juste dit, t'es folle, tu veux faire la blanche, c'est des problèmes de blanc, c'est des problèmes d'européens, c'est parce que tu vis en France que tu veux faire ça, mais t'inquiète pas, si tu veux te tuer, t'as qu'à le faire. Nous, on va pas prier sur toi, on va même pas te laver, on va t'enterrer avec des chrétiens, on sera tranquille. Et de là, elle m'a juste dit, si t'as un problème mental, si t'es folle, je te paierai un psy. Et en fait, après, je lui ai dit, enfin, j'ai pas trop calculé, je voulais pas trop répondre. C'est des paroles très, 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 très blessantes. Hein. Mais vraiment. Parce que déjà, tu peux toujours consulter si tu veux. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des bons docteurs qui sont de aussi. C'est important, ça, je voulais le dire, parce qu'en fait, on a tendance à penser, on a grandi comme ça, on a tendance à penser qu'aller voir le psychologue, c'est pour les gens qui sont atteints et mentalement, etc. Alors que les psychologues, c'est des médecins, c'est des personnels de santé. Ils ont fait des études de médecine, donc c'est des médecins. Et aller voir le psychologue, ça peut vraiment aider. Après, si c'est un psychologue qui est musulman, c'est encore mieux. Mais moi, c'est vraiment... Voilà, ce que je voulais conseiller à la sœur, c'est qu'elle n'hésite pas. Déjà, elle n'est pas folle. De deux, c'est pas de sa faute. Et que c'est qu'à Allah, mes chers frères, il y a des histoires, il y a des ibra qu'on peut prendre du Coran, où Youssouf, il lui est arrivé beaucoup de choses, alors qu'il est tombé dans un puits, alors qu'il a été récupéré. Il pouvait dire où est-ce qu'il habitait. Ils ne l'ont pas déposé chez son père. Son père en a pleuré, il va devenir aveugle. Je veux dire qu'il y a des choses, on n'a pas la main dessus. Ça devait se passer, qu'à Allah, mes chers frères, il y a une hikma, on peut. On la connaîtra pas, ou on la connaîtra beaucoup plus tard.
mais qu'il ne faut pas ni culpabiliser, ni dire j'aurais dû, ben, j'aurais pas dû, mais peut-être si j'aurais fait ceci, là, ce qui est fait est fait. On essaie d'avancer en disant ben, c'est des choses qui ont existé et ça fait partie du qadar. Mais alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, on a quand même, comme je disais, on a un médecin qui est min ahl sunna wal jama'a. Il est basé au Maroc. Ah oui, à Rabat, ouais. Le docteur, ouais. Je crois que c'est le docteur Mouloud, je crois qu'il s'appelle. Docteur Mouloud, c'est un très très bon médecin. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas négliger. Il est de très bons conseils. Mais je crois qu'il y a des soeurs psychologues. Il y a de plus en plus des soeurs psychologues sur les réseaux. C'est important de pouvoir. Il y a des soeurs qui font de la formation aussi chez lui, parce qu'il y a des soeurs aussi psychologues en France, malheureusement, qui sont aussi. Ils ont quand même adopté la théorie de Freud et compagnie. Ça, il faut vraiment faire attention que la sœur a une bonne rapida pour justement pouvoir. Oui, bien sûr. Donc, Courti, n'hésite pas à en parler. Si tu as besoin d'aide ou si tu as besoin de quoi que ce soit, vraiment n'hésite pas. Tu n'es pas une folle. Et puis, il faut évacuer tout ça. Il faut évacuer tout ça et tu verras, ça ira beaucoup mieux. Et puis, si la famille, tu leur as dit, tu as fait ton devoir de le faire, tu ne peux pas faire plus. Alors, s'il arrive des choses dans la famille, c'est pas de ta faute. Faut pas que tu dises c'est de ma faute. Ça, c'est important aussi, parce que si tu t'accables à ce qui arrive à tes cousines ou que ça arrive toujours au pays, tu ne peux rien faire. Les grands sont au courant, les oncles, les tantes. C'est à eux de faire les choses, ce n'est pas à toi. Toi, tu es victime, c'est pas de ta faute. Qu'elle est facilite. Et est-ce que ça a eu un impact sur toi, sur ton développement, ta croissance, etc. Est-ce que tu sens que t'as des carences dans quelque chose, que ce soit, t'es ralenti dans ta vie à cause de ce problème-là? Pas vraiment, parce que j'ai eu comme je disais dans l'écrit, tout ça, en fait, ça m'est revenu très très longtemps. J'ai eu le temps de cheminer un petit peu, que ce soit mondainement ou religieusement, avant que ça me revienne. Du coup, T'avais oublié. Oui, par exemple, là, même quand je parle, il y a des choses qui sortent que j'avais complètement oublié avant. Ouais, ça s'appelle, ça s'appelle l'amnésie traumatique, ils appellent ça. Ça, par exemple, la dernière fois, je sais pas, je passais le balai tranquillement, et d'un coup, en fait, je me suis souvenu d'une histoire avec un autre oncle, et je m'en étais jamais souvenu. Sauf que des choses comme ça, après, tu te demandes si c'est toi qui es folle, ou si c'est ton imagination qui te joue des tours, ou si ça s'est vraiment réellement passé. Même quand tu le vis réellement, tu arrives à un stade où tu te dis, ah, peut-être que c'est moi qui ai rêvé, parce que tu sais pas trop avec ce que les gens te disent. C'est non, ça c'est réel, ça c'est un vrai syndrome, hein. Ça s'appelle l'amnésie traumatique. Et ça, en fait, c'est, tu peux vivre quelque chose dans ta vie, tu avais 6-7 ans, et tu vas oublier. Et puis, un jour, il y a un événement qui va te rappeler ça et tout va revenir à la surface et tu vas t'en rappeler comme si tu le vivais une seconde fois. C'est exactement ça. Ouais, c'est des choses qui arrivent, ça. C'est exactement ça. N'hésite pas à consulter dès maintenant, Bimila, si tu peux. Si tu peux pas, si tu peux me contacter, si on peut t'aider à consulter, si tu ne peux pas. D'accord. Pas de souci, mais fais-le maintenant, Bimila. Pour éviter justement, Inch'Allah, dans ta vie future, ou quand tu seras maman, ben, qu'il y ait plus, ça ne remontera plus à la surface. Que c'est une chose avec laquelle tu dois, j'ai envie de te dire, parfois là, t'en accommoder, mais que ça sera derrière toi, que tu auras surmonté. Le mot exact, c'est surmonté. C'est vrai, et puis il ne faut pas négliger. Qui a déclenché cette mémoire. Il ne faut pas négliger, comme la sœur a dit, le fait de consulter, parce qu'en fait, parfois, on peut négliger. Mais après, lorsqu'on va se marier, etc., ça peut nous rattraper. Il y en a qui ont des problèmes de couple, justement, à cause de ça. Parce que ça les rattrape, en fait. Il y a des problèmes avec vos enfants, l'éducation. Ça peut découler sur beaucoup de choses. Donc, il vaut mieux stopper tout de suite ces flashs qui t'arrivent et de trouver. Ça prend pas non plus longtemps, hein. Ça se trouve, Bénila, d'ici un mois, deux mois, ça sera fini. Mais que plus tard, il n'y ait pas de problème, que ce soit avec ton futur mari ou avec tes enfants, ou la relation avec tes enfants. Parce que tu peux être surprotectrice, comme tu peux être négligente ou violente. Et ça, Bénila, déjà que tu en as pris conscience, déjà, tu es à la moitié du parcours. Donc, il ne te reste pas grand-chose, Inch'Allah.
Sur ça, c'est vrai que avec ma petite sœur et même mon petit frère, enfin, il y a vraiment une surprotection. Je sens que je suis pas dans le juste milieu, mais je sais pas en fait. C'est vraiment plus fort que moi. Et pour répondre à la question posée précédemment, j'ai quand même quelques séquelles qui reviennent comme ça. Parfois, quand je vois, c'est quelque chose de vraiment normal pour une personne, mais pour moi, je sais pas, j'ai du mal. Et d'un côté, je me dis, alhamdoulilah, que j'ai pas de petite sœur petite, parce que je pense que ça aurait été tragique chez moi. Quand je vois un père ou même avec sa fille petite, ben, je me sens vraiment pas bien. Vraiment, vraiment, vraiment pas bien. C'est pas bien. Je peux pas avoir une quelconque. Enfin, comment dire. Je peux pas avoir des suppositions sur ces gens-là, mais c'est plus fort que moi. Directement regarder la petite, en fait, et me dire peut-être qu'elle aussi, je sais que c'est vraiment horrible à dire, mais c'est vraiment resté en moi. J'arrive pas. C'est pour ça que tu consultes maintenant, parce que ça va te poursuivre. Tu vas te marier, tu vas peut-être voir ton mari comme un prédateur vis-à-vis de ton enfant. Ouais, ça, je pense que ça part d'un bon sentiment à la base. Oui, bah oui, mais tu veux bien envers l'enfant. Ah, et après, c'est des réactions comme ça. C'est pour ça qu'il faut consulter, il faut parler avec des gens, etc. Des professionnels de santé qui peuvent vraiment t'aider dans ça. Oui, je ne sais plus trop ce que j'allais dire. Ah oui, au niveau de ma personne, par exemple, là, on est trois chez moi, mes sœurs sont sorties, il y a mon petit frère, mon père et moi. Et en fait, même quand mon grand frère vient chez moi ou un mahram, je n'arrive pas en fait à. S'il n'y a que cette personne-là et moi dans une pièce, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller, même si, je ne sais pas, par exemple, si mes médicaments sont dans le salon, je préfère rester dans un sale état que juste d'y aller parce que j'ai peur. Et même quand je repense à leur réaction, je me suis dit, mais pourquoi en fait ils rabaissent ça? Est-ce que dans le fond, eux aussi, ils n'ont pas fait des choses comme ça pour prendre la parole, pour prendre ma parole à la légère? Du coup, là, c'est des choses qui font, c'est des choses vraiment banales, mais j'y arrive pas, vraiment, j'y arrive pas. Et même quand je sors, quand on m'envoie chez des oncles ou quoi que ce soit, j'essaye de prendre mon petit frère avec moi, juste pour pas être seule. Enfin, même si je sais qu'il est petit et qu'il pourra rien faire, je sais juste, en fait, c'est juste moi, ça me rassure. Mais même au niveau de mon père, par exemple, enfin, je sais que c'est vraiment pas bien, mais je peux pas. J'y arrive pas. Je peux pas rester dans la même pièce que lui. Si on n'est que deux, ou même si par exemple si toutes mes sœurs elles sont dans la cuisine et que moi il m'appelle, je me mets à 3-4 mètres de lui pour faire ce qu'il me demande, mais me coller à lui, je ne peux pas. Ouais, bah ça c'est franchement, je pense que c'est vraiment important que tu puisses consulter quelqu'un histoire de vraiment régler ça avant de te marier, parce que ça peut peut-être te suivre après le mariage, comme ma sœur l'a dit. Il faut trouver la bonne personne, parce que les gens ici, même quand je lis sur les réseaux, qui vont te dire non, mais vous inquiétez pas, c'est tous les hommes qui sont comme ça, c'est dans leur nature, même si plus tard tu te maries, t'inquiète pas, il fera ça à tes enfants. Enfin, il faut vraiment trouver la bonne personne, et j'ai l'impression que c'est compliqué. T'as pris ton courage à deux mains, parce que à la base, j'ai cherché un compte, hein. J'ai cherché un compte. Vraiment, j'ai forcé et j'ai pu trouver. Ouais, qu'elle se récompense bien. Parce que, à la base, la sœur, elle m'avait dit que ça allait être compliqué de témoigner. Et au final, j'ai lu son témoignage et je m'excuse parce que j'ai mélangé avec le témoignage d'une autre sœur. Et alhamdoulilah, elle a décidé de monter, de prendre son courage à deux mains. Elle a fait ce témoignage et franchement, tu nous as beaucoup éclairé sur le sujet. Tu as rectifié ton témoignage et tu as été très courageuse. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il vous récompense vous deux. Qu'Allah Tabaraka vous récompense toi et puis votre soeur, sister business. Donc là, Inch'Allah, je vais prendre une autre soeur pour témoigner et qu'Allah vous récompense vraiment pour. Vous avez pu apporter à ce live et ce que ça va apporter à tous ceux qui vont pouvoir le suivre. Salam alaikum. Donc, normalement, je devais prendre Shamsia, mais elle n'est pas là. Donc, on va prendre la sœur
Ma fille raffinée, prépare-toi, Inch'Allah. Bien sûr, on ne montre pas son visage, s'il vous plaît. Donc là, c'est en massière à connaître, ce qu'elle a vu, a envoyé la demande. Oui, Carl Zéro, j'ai regardé son reportage, justement, ça m'a beaucoup. Le reportage de Carl Zéro, il m'a beaucoup apporté. Je témoin. Inconnu, 1868. Je pense qu'elle veut témoigner, inconnu, hein, 1868. Ou il veut témoigner. Inconnu, 1868, ben, si tu veux témoigner, confirme-moi parce qu'on ne comprend pas bien ce que tu veux nous dire. Taïb, assalamu alaikum Wa alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. wabarakatuh. Et la qui nous a rejoint. Abdallah, assalamu alaikum. Abdallah. Oui. Est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux intervenir avant que la soeur commence à donner son témoignage? Ouais, avant que la soeur fasse son témoignage, juste par rapport à la soeur qui est passée au préalable. C'est vraiment important que, comme a dit la sœur Business, son pseudo, mais en tout cas, elle a été très, très juste dans ses propos. C'est qu'il faut vraiment qu'elle puisse consulter un psychologue musulman de préférence. La comme sœur, a dit la sœur, on voit du flou, je sais pas c'est quoi, mais attention. Qu'elle fasse attention parce que dans la psychologie, il y a beaucoup de théories freudiennes, tout ça. Il y a du couffre dedans, il faut faire attention. Qu'elle essaie de prendre un psychologue musulman qui va allier ses compétences en psychologie avec le Coran et la Sunna, et Inch'Allah, ce sera bénéfique. Autre chose qui serait très important à souligner, c'est que, comme a dit la sœur Business, très souvent on entend, et c'est la vérité, il y a plus de victimes, il y a largement plus de victimes chez les femmes que les hommes. Et le problème, c'est que comme on a vu avec le témoignage de la sœur, ça a forcément eu un impact dans son rapport avec le sexe opposé. C'est-à-dire que le fait que même son frère, la présence de son frère la met mal à l'aise, la présence de son père la met mal à l'aise, toutes ces choses-là. Et donc, c'est très important qu'elle travaille sur ce point-là, de telle sorte qu'elle ne rentre pas dans un autre extrême, malheureusement, dû aux troubles qu'elle a eus. Et ça vraiment c'est important de le souligner parce que moi je connaissais un frère justement qui lui s'était fait violer par sa tante. S'est fait violer par sa tante et le truc c'est que lui il c'est-à-dire que bon, je dirais pas qu'il était touché par la misogynie mais il avait un réel problème avec le sexe opposé à savoir le sexe féminin. Pour lui, il avait ce réflexe de penser que le sexe féminin ne voulait que son mal et qu'il allait forcément avoir des préjudices par n'importe quelle personne de sexe féminin. Et c'était très, très, très difficile pour lui. C'est-à-dire pour lui-même, le mariage était très inconcevable. Il a fait un vrai, vrai travail pour pouvoir pallier à ce problème-là. Il a dû lire des histoires en dehors du travail psychologique. Il a lu l'histoire des sahabiettes. Il a lu l'histoire des femmes élues de notre dîne pour pouvoir faire une contrebalance à cette idée néfaste qu'il avait, néfaste et négative qu'il avait sur la femme. Donc vraiment, vraiment, on soutient la sœur qui est passée et nos doigts sont aussi pour elle. Voilà. Donc je m'enlève et je laisse la sœur. Juste avant que la sœur commence, excuse-moi ma sœur. Moi, je voudrais aussi rapporter un témoignage que moi-même j'ai vécu quand j'étais jeune.
Ça, c'est aussi un conseil à nous, les parents, qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Nos parents nous ont envoyés en colonie de vacances. On est parti en colonie de vacances avec, nous, on appelait ça le CAJ. On est parti en colonie de vacances, je me rappelle, c'était, on était parti à Dax. Nous parlons de Bordeaux, tout ça, dans le sud de la France. Et on avait un animateur, c'était un grand du quartier, connu de notre famille. Et donc, ce grand du quartier-là, quand on allait se laver, il rentrait dans les douches des jeunes, etc. Et il demandait aux jeunes de le masturber. Un grand quartier, il demandait aux jeunes de le masturber. Ça, c'est pour montrer que ça, c'est des choses qu'on a là qui peuvent arriver même avec des gens qu'on ne s'y attend pas. C'était un grand autre quartier. C'était notre animateur avec le centre, avec la colonie de vacances. Et il rentrait dans les douches pendant qu'il y en a qui se lavaient. Et il leur demandait de se masturber, de le masturber. Et en contrepartie de bonbons, en contrepartie de choses. Donc là, c'est pour vraiment en prendre conscience où on envoie nos enfants, avec qui on laisse nos enfants. Parce que parfois, tu vas laisser tes enfants partir en colonie de vacances, et dans des trucs comme ça, avec des animateurs. Et c'est là-bas qu'il va se passer certaines choses, et tu peux t'en vouloir à vie. On sait que les plus prédécesseurs, ils ne laissaient pas leur enfant avec n'importe qui. Et aujourd'hui, nous, malheureusement, on laisse un peu nos enfants avec n'importe qui. Nos enfants, ils vont à l'école. C'est pas avec lui. On ne connaît pas vraiment le professeur. Nos enfants, ils vont au centre aéré. On ne sait pas c'est qui l'animateur. Nos enfants, ils font plein de choses. On ne sait pas. Donc ça, c'est un conseil. C'est que ben, pour prévenir cela, ben, déjà de savoir avec qui. On va laisser nos enfants avoir une vraie confiance en la personne à qui on confie nos enfants. Parfois, t'en as, des fois, je vais sur des palabres, je vois des soeurs sur les palabres, elles me disent, oui, j'ai besoin de quelqu'un pour garder mon enfant demain, travail de telle heure à telle heure. Et tu viens sur Internet, tu demandes qu'on garde ton enfant alors que tu connais même pas la personne qui va garder ton enfant, etc. Et malheureusement, nos parents, ils ont beaucoup négligé ça, ils nous envoyaient à l'école, mais ils ne savent pas c'est qui nos professeurs, parce qu'il faut qu'on apprenne. En fait, combien d'enfants ils ont été détruits? Il y a l'agression sexuelle, mais aussi le harcèlement. Il y a des gens, parce que ça, il faut aussi qu'on en parle, le harcèlement des autres élèves. Il y a des enfants, ils sont harcelés par les autres élèves, ils ne veulent pas aller à l'école, mais on les envoie à l'école parce qu'il faut qu'ils apprennent. Et comme si l'apprentissage était plus important que leur santé morale, physique et mentale, etc. Donc ça, c'est quelque chose de, voilà, moi, je voulais témoigner aussi par rapport à cette question. C'est très important. Donc, Inch'Allah, je laisse la parole à la sœur. Salam alaykoum wa rahmatullah. Alaykoum Déjà, salam. barakallahu fikoum de faire un live sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est très, 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 très tabou dans nos communautés. Pour moi, personnellement, je viens d'Afrique de l'Ouest, et subhanallah, il ne passe pas un mois ou deux sans qu'on entende que tel oncle ça a été un prédateur, tel oncle il a touché telle fille. En Afrique, tel père, il a fait ça sur sa fille. Donc, je voulais revenir aussi sur le point où il y a des sœurs qui disaient. Excusez-moi, parce que c'est la première fois que je parle en direct, j'ai pas l'habitude. En fait, il faut qu'on. Les parents, en fait, dans la mentalité des parents ouest-africains, en fait, tout est tabou. Tout est tabou. Ça veut dire qu'il y a certains sujets, alors que dans notre religion, on peut parler avec nos enfants, ils ne vont pas nous en parler. Et il y a aussi leur honneur, leur nom de famille, leur honneur, leur réputation. Elle est, on va dire, sur une échelle de 1 à 10, elle a 11 sur 10. Ça veut dire qu'ils peuvent faire passer ça en avant que le bonheur et la santé mentale de leur enfant, parce qu'eux ne connaissent pas tout ce qui est santé mentale, psychiatrie, etc. Je les dédouane pas, mais il faut comprendre qu'eux n'ont pas grandi dans ça. Ça veut dire que les émotions, ils ne connaissent pas. Un enfant qui pleure, c'est forcément que voilà, il a fait une bêtise ou quoi. Ils sont toujours dans la dureté, excusez-moi, ils ne sont pas dans le juste milieu.
sur certains points, bien sûr. Ce qui fait que quand certains enfants leur arrivent des choses, eh ben, eux, ils vont directement fermer la porte à l'enfant. Et l'enfant va se construire l'enfant va se construire pardon, sur ces traumatismes-là, en fait. C'est vraiment dans leur mentalité, comment la faire changer, Allah Alem. Mais nous, en tout cas, en tant que descendants d'Ouest africains, etc., qui sont nés en France, ou ont grandi en France francophone, nous, on sait que, subhanallah, la psychologie de l'enfant, c'est quelque chose qui est très important. Que quand on nous fait du mal, on a des émotions, il faut en parler, il faut s'exprimer. Et ça met, Inch'Allah, d'éduquer nos enfants dessus, de faire en sorte que nos parents, nos enfants, pardon, ils n'ont pas peur de nous parler. Ça, c'est super important. En fait, moi, du coup, il y a le frère qui m'a demandé de passer parce que j'ai entendu plusieurs histoires, et particulièrement une. En fait, c'était une petite fille. En fait, c'est son oncle maternel, du coup, le frère de sa mère. À chaque vacances scolaires, il demandait à sa mère, il appelait sa nièce, bon, je ne connais pas le prénom de la petite fille, mais il demandait tout le temps est-ce que cette petite fille peut venir en vacances à la maison, etc. Donc, bah, la mère, naïvement, elle acceptait, donc elle voyait que voilà, son frère, il aimait bien sa fille. Du coup, elle n'avait aucun mal à laisser sa fille partir. Sauf que sa fille, en fait, s'est abusée sexuellement par son oncle. Et la finalité, c'est qu'elle est tombée enceinte de son oncle. Elle est tombée enceinte de cet oncle-là, donc son oncle maternel direct. Et ça a fini par savoir parce que, bon, voilà, je ne sais pas comment ils ont su. En tout cas, elle était enceinte. Elle avait quel âge ? Elle avait dans les 12-13 ans. C'était vraiment dans les débuts de sa vie de jeune fille, quoi, en fait. Et du coup, quand elle a dit ça à ses parents, en fait, ses parents ne l'ont pas protégée du tout. Donc, ses parents, ils l'ont tabassée. Ils l'ont frappée. Carrément. Ils l'ont tabassée, ils l'ont frappée. Et donc, évidemment, ils l'ont fait avorter. Et le plus dur dedans, c'est qu'en fait, ils n'ont jamais rien dit à l'oncle. Ils n'ont jamais rien dit à l'oncle. Ils ont interdit à la fille d'en parler. Donc, en fait, moi qui suis maman aujourd'hui, je me dis qu'en fait, elle a préféré protéger son frère que sa chair, en fait. Son frère, c'est sa chair aussi. Mais en tant que maman, ce genre de choses... On peut couper un bras pour notre enfant, on va le faire. Notre enfant, il est malade, on va prendre sa maladie, on va la prendre sur nous parce que, voilà, c'est notre enfant, on veut pas qu'il souffre, on veut pas qu'il ait mal. Tout ce que nous, on a pu traverser, on veut pas qu'il traverse, on lui donne la meilleure des vies. Mais elle a préféré protéger son frère que sa fille, en fait. Et au final, bah, sa fille, bon, elle a avorté à 12-13 ans, elle a été détruite psychologiquement. Au jour d'aujourd'hui, bah, voilà, elle ne sait pas si elle s'en est remise, cette petite fille-là, qu'elle la préserve. Mais c'est des choses qui arrivent. On entend aussi souvent parler des oncles qui arrivent à la maison le soir. Ils arrivent comme ça et ils dorment à la maison. Et malheureusement, bah, les parents... Moi, je parle de la communauté ouest africaine parce que je suis déçue du Mali. Mais en général, ils ont honte de dire à cette personne-là, même si des fois ils savent que cette personne-là, c'est un prédateur, ils ont honte de lui dire, vas-y, dors pas chez moi. J'ai des filles, il n'y a pas de place. Non, il faut l'accueillir, etc. Sinon, on va avoir la honte. Il va aller dire partout qu'on n'a pas accueilli, etc. Non. D'abord, tu préserves tes filles. Tu préserves même tes fils, parce qu'on ne sait pas. C'est des prédateurs. S'ils s'en prennent une fille au garçon, ou deux, ou leur harem. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires comme ça qu'on entend tous les jours dans nos quartiers, dans nos entourages, chez nos cousines, etc. Ils dorment. La nuit, ils vont se faufiler. Moi, j'ai plusieurs sœurs qui sont venues voir et qui m'ont dit, écoute, un jour, il y a un homme qui est venu. La nuit, dès que les parents, ils dorment, Subhanallah, il va souffler dans les chambres, parce que les chambres ne sont pas fermées à clé. Donc, un conseil que je donne aux sœurs, même si un jour vous accueillez vos frères, voilà, quoi que ce soit, si vous avez des petites filles, verrouillez les portes la nuit, vous gardez les clés auprès de vous. Bon, voilà, car la préserve qu'il y a des accidents ou quoi, il vaut mieux ça qu'une personne vienne et qu'elle souffle dans la chambre. Une sœur m'a dit qu'il y a un frère qui est venu, plutôt son oncle, entre guillemets, qui est venu et qui a réussi à monter sur le lit superposé. Subhanallah, pour la trouver dans son lit, alhamdoulilah, elle a eu le réflexe de mettre des coups de pied, du coup, il est parti en courant. Et donc, les parents se sont réveillés, etc. Alhamdoulilah, ils l'ont coursé, ils l'ont jamais attrapé. Vous voyez ? Et des prédateurs, en fait, le prédateur n'a pas de visage, le prédateur n'a pas de nom. Le prédateur, c'est monsieur tout le monde. Le prédateur, c'est celui qui va arriver, qui va dire sa main comme à tes parents, qui va faire salat avec eux, mais la nuit, il va voir souffler dans ta chambre. C'est les prédateurs au foyer, arrêtez d'envoyer les petites filles au foyer avec les papas.
Combien de fois j'ai entendu mes cousines, elles m'ont dit, ah, tel oncle m'a dit, voilà, quand tu vas au foyer, la prochaine fois, je me dépanne. Pourquoi tu veux me des choses, subhanallah. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, parce que pour moi, en fait, à partir du moment où tu privilégies ton frère à ton enfant, t'es un criminel. C'est de la criminalité de faire ça. Donc, en fait, il faut qu'il y ait des barrières. Il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Il faut surtout que les criminels, là, parce que c'est des criminels, il faut qu'ils soient punis. Et en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de punition. On sait qu'un tel, il a des penchants bizarres. On sait qu'un tel, il est que sur les petites filles. Mais personne ne dit rien. Il n'y a pas de punition. Même en France, tu te présentes devant un tribunal, il vaut mieux être un violeur, que l'on nous en préserve, que d'être un vendeur de stupéfiants. Un vendeur de stupéfiants va prendre 10, 15, 20 ans. Un violeur, il va prendre du sursis. Mais on ne sait pas si la victime aime ou pas. Mais voilà, l'homme, il est comme ci, il est comme ça. Et au final, subhanallah, il y a des vies qui sont détruites. Et comme subhanallah, sur qui est passé avant, ça a des répercussions sur la vie de tous les jours. Ça va pas avoir des répercussions dans son mariage, sur son foyer, sur son rapport avec les gens. Même subhanallah, sur ses amis, sur ses parents, etc. Et en fait, les gens, subhanallah, ils minimisent trop les impacts psychologiques et physiques qu'une agression sexuelle, du coup, pour engendrer sur une personne. C'est, en fait, il donne la mort à une personne, la mort psychologique, mais ça ne se voit pas physiquement, parce que la personne, elle a encore envie, elle n'a pas de blessure, elle n'est pas coupée, son sang ne coule pas, alors elle va bien. Non, le psychologique, le psychique, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et malheureusement, dans nos communautés ouest-africaines, bon, je parle encore parce que je suis ouest-africaine, c'est un truc de blanc. Non, c'est pas un truc de blanc, on est tous des êtres humains. Les blancs, peut-être qu'ils l'ont compris, ils mettent ça en place, mais chez nous aussi, il y a des gens qui s'est détraqués. Il y a des gens qui s'est détraqués, mais ils sont dans la nature comme si on va leur passer le salam, on va les honorer qu'on va venir à la maison, alors qu'on sait que c'est des pédophiles, des voyous, etc. Pourquoi ? En fait, j'ai l'impression que dans notre communauté, on n'a pas compris en fait le dépôt qu'Al-Arjid nous a déposé. Al-Arjid a donné un don, un dépôt à l'enfant. L'enfant n'a rien demandé. L'enfant est venu parce que, alhamdoulilah, on l'a voulu. À toi de faire de prendre en compte tous les paramètres qui sont à disposition pour prévenir les dangers. En plus, maintenant, on a les réseaux sociaux. Alhamdoulilah, bon, il y a des choses qui sont bien, qui ne sont pas bien sur les réseaux sociaux, mais dans le bien, il y a beaucoup de prévention à ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, ça ouvre la parole, ça ouvre à certaines personnes, mais on dirait que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et vraiment, s'il y a des sœurs qui sont dans le live et qui veulent mettre des choses en place, qui ont des associations, qui ont des psychologues musulmans qui sont compétents, qui sont pas tchoubouhet, etc. Franchement, mettez les choses en place, faites les choses parce que ça, pour moi, c'est un crime contre l'humanité, en fait. Clairement, c'est un crime contre l'humanité parce que, certes, physiquement, ça se voit pas, mais psychologiquement, ça détruit et ça peut détruire sur une, deux, trois générations. Et vraiment, c'est un danger qu'il faut stopper, en fait, clairement. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Inch'Allah. Moi, je voudrais revenir sur une chose très, très importante que tu as dit. Et cette chose, c'est le fait de ne pas faire rentrer n'importe qui chez nous. Et ça, aujourd'hui, inch'Allah, dans la communauté noire, la communauté ouest-africaine, même dans la communauté du Maghreb, etc., en vérité, chez tout le monde aujourd'hui, ça, c'est devenu un grand fléau. La religion islamique, elle est venue pour préserver ce genre de choses. Et pourquoi, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, yakum wa dukhul ala nisa, évitez de rentrer dans un endroit où il y a des femmes. Bon, ça va couper, on se prend tout de suite, inch'Allah.